Donc, je vais reprendre le cours par rapport à l'année, à la semaine précédente. Et donc, j'avais démontré que si... donc, j'en étais à une démonstration, si on a, pour n'importe quelle donnée initiale, U0, U1, dans l'espace d'énergie, L2, si je suis différent... d'un W lambda 0, W lambda c'était WX sur lambda, facteur de lambda puissance 1/2, ou 0, ou 0, 0, alors je pouvais produire un canal d'énergie, c'est-à-dire qu'il existe, voilà, quel que soit T positif, ou quel que soit T négatif, il y avait un canal d'énergie sur la solution non linéaire. Voilà, c'est strictement positif. Alors, j'en étais resté à la démonstration. Je ne vais pas rappeler tous les lemmes techniques et je vais essayer juste de vous présenter les principes absolus de cette démonstration. Voilà. Alors, j'en étais. J'avais démontré essentiellement si la donnée initiale était petite pour x ou pour x supérieur à un certain R0, delta 0, et delta 0 est essentiellement une constante universelle, alors je pouvais montrer qu'il existe L0 ou lambda 0 tel que U0 est égal à 1 sur lambda 0 X sur lambda 0 hein, et ce que j'avais tout simplement noté W lambda 0 et U1 égale 0 pour X plus grand qu'une certaine constante qui dépend que de R1, qui dépend que de R0. Ou alors, donc, U0, U1 égale 0. À nouveau pour X, grand R1 de R0. Bon, ça c'est ce qu'on appelle la classification des solutions à l'infini. Maintenant, comme toute méthode non linéaire, je veux tirer les informations de l'infini jusque à, pour tout x appartenant à R3, ou R, parce qu'on travaille avec des solutions radiales. Alors ça, c'est l'étape suivante. Comment on peut démontrer ce résultat ? Alors, on peut l'avoir de différentes façons. Je vais quand même me placer dans un premier temps dans le cadre le plus simple, c'est-à-dire que U0, U1 est égal 0 pour R plus grand que R1. Je vais vous faire en fait essentiellement deux démonstrations de ce résultat. Donc je veux montrer la question de démontrer que U0, U1 est identiquement égal à 0 dans ce cas-là, quel que soit R positif ou nul. Donc c'est ça la question. Bon. Alors, je vais vous faire deux démonstrations de ce résultat. Alors, la première,
c'est, je vais réutiliser le lemme que je vais démontrer. Le plus simple, on raisonne par l'absurde. Hein. Donc on suppose que U0, U1 est différent de 0, 0. Et donc je vais prendre G0, j'ai un fameux R1 que j'ai ici. La solution de ce côté-là est identiquement égale à 0. Et ici, c'est la limite de mon support de mes données initiales. Alors je veux me placer. Comme on parle de fonction fixe, donc la norme de ma solution ici est égale à 0. Hein? Donc, vous voyez, ma seule condition sur R0 était que la norme était inférieure à cette constante universelle. Donc, ce que je vais trouver, c'est qu'il existe R0 moins epsilon 0, tel que la norme ici est inférieure à delta 0, puisque essentiellement la contribution ici est 0, et juste par continuité sur les deux initiales, j'ai ça. Je peux alors appliquer mes estimations, et en fait, si on peut retravailler un peu les conditions et démontrer dans ce cas-là qu'on peut se ramener à R0, quitte à diminuer delta 0. En fait, quitte à prendre un autre delta 0, on peut se ramener à ce cas-là. Et voilà. Et donc, j'ai toujours cette configuration-là. Je suis soit exactement égal à un delta 0, soit identiquement égal à 0. Et donc, je peux continuer. Donc, je ne peux pas être égal à un soliton, puisque ma fonction est à support compact. Et donc, essentiellement, je suis là. Donc, on peut étendre l'estimation. L'estimation peut s'étendre jusqu'à, pour R supérieur à R1 moins delta 0. Une autre façon de voir la démonstration, c'est de se rappeler que j'avais démontré V0 qui était égal, donc essentiellement, V0 de R'. Bon, racine de C0 qui était universelle. 1 sur R, mais qui est V0 puissance 5. Là, donc, il faut penser que tout ça, c'est des constantes. Donc, j'avais démontré cette estimation pour R supérieur à R', supérieur à on est à R1 moins, delta, moins epsilon 0. Alors, comme toutes mes fonctions, j'ai une fonction H1 qui est radiale, donc elle est continue, sa valeur ici vaut 0, donc je peux prendre R' égale R1. Ceci, je peux, par l'estimation et l'infini en dehors de 0, je peux toujours le rendre aussi petit que je veux, parce que ma norme sera petite. Et donc, j'obtiens V0 de R inférieur à une petite constante epsilon 0 jouant avec la norme. R0. Donc, alors, j'ai pris la norme infinie, donc puissance 4, V0 de R. Voilà, et donc je peux me prendre un epsilon 0 assez petit pour démontrer que ceci est. Je retrouve la même quantité. Hein. Valeur absolue de V0 est inférieure à une petite constante. Je peux rendre ça égal à 1/2. Inférieure à 1/2, donc, si vous voulez. V0 de R. Et donc j'en déduis que V est identiquement égal à 0. Ça implique que V0 est identiquement égal à 0 pour R supérieur à R0 moins delta 0. Bon, alors ça, c'est le premier type de démonstration, c'est d'utiliser les estimations ponctuelles que j'ai obtenues précédemment.
L'ennui de cette... Donc ça, c'est des démonstrations que j'appellerai très courtes. C'est qu'on ne voit pas exactement le principe pourquoi c'est vrai. Alors, je vais vous faire une autre démonstration qui est plus intuitive. Et qui est la bonne, en fait, dans le sens où on va généraliser et utiliser ce principe. Je vais l'utiliser beaucoup dans la suite. Alors, donc, je repars. J'ai une solution identiquement égale à 0, telle que R supérieur à R0, hein, donc c'est, ou R1, c'est R1, pardon, R0 était égal à R1. Voilà, et je sais que ma solution est différente. Que le support de U0, U1 ne peut pas être inclus dans n'importe quelle boule de rayon, quel que soit epsilon 0, positif. Hein? Donc j'ai une partie de la donnée initiale qui est non nulle ici. Alors voilà le principe qui est un peu l'équivalent, je dirais, pour les équations hyperboliques, dont je cherche un principe de continuation qui est équivalent à un principe de maximum fort pour les équations elliptiques. C'est-à-dire que je suis arrêté à un certain moment et je dois pousser un peu mes informations là. Alors, intuitivement, la réponse est très simple. Donc j'ai une fonction qui est comme ça, U0, là, R1. Et je vais regarder uniquement la solution ici. R1 moins epsilon 0, donc à la limite je coupe. Voilà, et je regarde à nouveau la solution. Alors non plus dans le cône. Donc ici je sais que dans ce cône-ci, comme je suis égal à 0, je suis identiquement égal à 0. Hein, ici c'est T. Ici c'est R. Et donc ici, par petitesse, juste la convergence de Néméné, je sais que je suis très très petit. D'accord ? Donc, ma solution ici est essentiellement linéaire. La différence entre la solution linéaire et la solution non linéaire peut être rendue aussi petite que je veux, les théorèmes de points fixes dans l'espace de Strickhartz. Et donc, hein, je regarde, je recoupe ma donnée initiale, je ramène ça à une constante et pour la dérivée à zéro. Donc j'ai une toute petite donnée initiale, voilà, et qui est concentrée juste là. Maintenant, ma solution linéaire, je sais très bien qu'elle fait des channels. Et donc, j'aurai soit un channel là, ou soit un channel là pour la solution linéaire. Elle va donner une impulsion d'énergie, soit pour T positif, soit pour T négatif. Donc supposons que c'est pour T positif. Et en fait, comme ma solution, est identiquement égale à 0 ici, alors je vais avoir de meilleures estimations, parce que le terme U5... je peux toujours le contrôler par un terme très petit, parce que c'est juste par Sobolev. Donc je peux estimer en utilisant que ce que je sais par la définition de support, c'est que ma fonction là, non linéaire, est toujours très petite. Le terme non linéaire est très petit. Donc il va être vraiment contrôlé. Et donc je vais pouvoir dire que j'envoie un faisceau d'énergie ici. Voilà. Et donc, on peut démontrer que le support de U0, U1, par exemple, je vais prendre le cas où j'ai une impulsion d'énergie de ce côté-là, hein, et je fais tendre epsilon 0 vers 0, je peux démontrer que le support
de U0, U1 ne pouvait pas être inclus dans la boule de centre B0 moins epsilon 0. Et je vais démontrer que le support de U de T ne peut pas être inclus dans la boule de centre B0 moins epsilon 0 plus T pour T positif, disons par exemple. Voilà. Donc il y a un côté qui va toujours marcher. Et donc le support de mes données initiales m'échappe. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Et donc je crée un channel d'énergie pour tout temps là. Ce qui est impossible, hein. C'était mon hypothèse de départ, que je n'avais aucun channel d'énergie. D'accord ? Donc je cherchais les solutions qui ne créent pas de channel d'énergie. Donc là, j'ai créé une solution qui a un channel d'énergie. D'accord ? Donc voilà. Alors maintenant, dans le cas où U0, U1 est égal à W lambda 0, 0 pour R supérieur à R1, essentiellement, les démonstrations sont un peu les mêmes. Et il faut plus travailler, on ne travaille plus avec la solution linéaire. Donc on ne travaille plus avec l'équation linéaire, laplacien de U, là. Mais avec l'équation renormalisée, donc box U, ou box H, égale donc W plus H puissance 5, donc celui-là, W lambda 0 moins W0 puissance 5, qui correspond à 5 fois les termes extrêmes, les termes les plus importants, c'est ce terme-là, et le terme non linéaire, H puissance 5. Les autres sont pas importants car ils peuvent être interpolés entre les deux. Et donc je vous avais dit, si cette équation telle qu'elle n'est pas bonne, mais si je localise à nouveau dans les canaux d'énergie là, ce terme-là, alors ce terme linéaire est sous-critique par rapport à l'influence de la donnée initiale. Si j'avais une estimation L8 en espace-temps, alors celle-ci est très facile à obtenir, donc je vais écrire, ce terme-là ne va pas être important comme précédemment, que là où l'équation m'intéresse, donc je vais me placer au même endroit, je vais utiliser ce principe-là. Donc je vais écrire W0 facteur de x supérieur à R1 moins delta 0 plus T. Et comme je sais que mon support, alors je vais réécrire plus précisément, comme mon support, à nouveau, je sais que mon support, là c'est R1, là c'est R1 moins epsilon 0, je sais que mon support de H, H vaut 0 ici, donc je vais écrire x compris entre R1 moins epsilon 0 plus T et R1 plus T. H, voilà. Alors, maintenant, c'est mon potentiel ici. Donc, là où ça m'intéresse, si je résous cette équation avec ce potentiel-là, ça sera la même chose, hein, parce que H, de toute façon, est identiquement égal à 0, là, et ici,
J'ai besoin de petitesse, hein, sinon je ne saurais jamais démontrer de résultat. Mais la petitesse va être donnée par le fait, comme je peux prendre epsilon 0 aussi petit que je le veux, d'ailleurs je fais essentiellement un raisonnement à epsilon 0 très très petit, j'avais besoin sur mon potentiel V de T et de X d'être petit en espace-temps L8 de XT. Donc si je prends epsilon 0 petit, je peux prendre cette norme aussi petite que je veux. Donc l'influence de ce terme linéaire passe en dessous de l'influence des données initiales. Et donc c'est comme si je résolvais juste essentiellement laplacien de H égale 0 je suis revenu avec l'équation linéaire, hein, et H petit. Donc c'est ce principe-là pour l'autre équation. Et donc, je crée à nouveau un channel d'énergie sur H, ce qui me permet de conclure à nouveau. Voilà. Alors, c'était ce principe-là que je voulais vous montrer, qui est très important. C'est un sorte... La petitesse est fixée par la donnée initiale. Essentiellement, ça, c'est un... Je peux le fixer a priori, que l'influence va être petite. Je fixe la petitesse avec le epsilon 0, et ensuite j'ai un channel pour tout temps. Ce qui me permet de trouver une... Oui. Mais si W0, c'est juste le soliton et... Mais W0, c'est un soliton, hein. Mais la lambda strict est infinie. Alors non, c'est ça, c'est toute l'astuce. Alors en effet, tous ces résultats ne marchent pas pour le linéariser autour de W0, c'est ça. Mais vous voyez, non, je dis que mes solutions coïncident avec la solution, avec ce W0, qui est... Donc, c'était toute l'astuce que je vous avais montrée la dernière fois, V de T et de R, H. Alors, V, le support de V, et uniquement dans ce petit channel. Donc R1 là, R1 moins epsilon 0, et ensuite c'est de... Voilà, ça bouge avec T. Mais évidemment, ce n'est pas la même équation, mais ce que je sais, si je regarde uniquement la solution à l'extérieur de ce cône R1 moins delta 0 pour le cône X égale R1 moins epsilon 0 plus T, résoudre cette équation là avec ce V qui est très petit est la même chose que de résoudre l'équation juste avec V égale W lambda 0 puissance 4 H. C'est la même chose car les deux équations coïncident uniquement sur le cône. Et comme l'information ne peut pas se déplacer plus vite que T, j'ai gagné. Alors il faut bien comprendre ce principe-là, parce que je vais l'utiliser maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Oui ? R1 est quelconque. Je fais un principe de maximum fort. Donc j'ai uniquement besoin d'avoir epsilon 0, en fait la limite de epsilon 0 tend vers 0. Donc R1 peut être quelconque, et ensuite je fais ce raisonnement avec epsilon 0 de plus en plus petit, même tendant vers 0. Mais je veux dire que si R1 est petit, même après avoir coupé le W, ça reste grand ensemble. Ah, parce que je peux jouer sur epsilon 0, c'est un paramètre libre. C'est le théorème de convergence dominée. Hein. Ah, parce qu'on coupe seulement Ita, d'accord. Je peux choisir mon epsilon 0, donc je prends... Quand epsilon 0 tend vers 0, la norme L8 de V de T, le V que j'ai défini là, hein, ce V-là, tend vers 0, quand epsilon 0 tend vers 0. Et donc... Elle est finie parce que la dépendance en T est 1 sur T carré, en fait. Ah ben oui, évidemment, tout est dans ce... Ok. Je ne comprenais pas ça, en fait. Tout est dans des petites astuces comme ça. Okay.
Mais le fait que tu bouges sur le temps sur l'école est important. C'est essentiel. Et on va utiliser à la puissance 10 tout ce principe-là. Car on ne travaille jamais sur la solution de l'équation elle-même, mais que sur des localisés à l'extérieur de cônes de l'équation. Toutes les estimations que je vous dis, là, depuis le début, ne peuvent pas marcher pour l'équation des ondes telle qu'elle. C'est que pour certaines localisations en dehors de cônes, ad hoc, qu'elle marche. Et c'est ce principe-là que j'utilise de fond en comble pour démontrer mes résultats. Bon, oui. Donc ici, c'est pas seulement localisé en dehors du cône, mais entre les deux cônes. Oui, exact. Je dois utiliser. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un principe de maximum fort. C'est vraiment un principe essentiellement sur la dérive. Essentiellement, oui. On démontre quelque chose pour epsilon 0 très 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 petit. Mais ça suffit. Parce que je me suis placé par principe topologique à premier endroit où mon support arrive, là, de ma donnée initiale. Et j'ai juste des besoins de démontrer quelque chose pour epsilon 0 très petit, non nul. D'accord ? Tout le monde est d'accord sur ces principes de démonstration, parce que je vais l'utiliser maintenant à grande échelle. Alors, voilà, bon, mais n'hésitez pas à me poser des questions maintenant, parce qu'en fait, je vais devoir manipuler des choses un peu... Alors, je vais essayer de vous donner les principes. Alors, maintenant, on va passer à la démonstration du théorème. D'accord ? Donc, allons-y. Je vais utiliser cette classification des objets, donc, tout objet qui n'est pas une solution stationnaire, il produit un channel, soit pour T positif ou pour T négatif. Alors, je vais maintenant utiliser ceci pour démontrer mon théorème. Alors, je l'avais réécrit, ce théorème est réécrit quelque part, mais il faudrait que je le retrouve. Mais sinon, je vais tout de suite, je voudrais avoir gardé les bonnes notations. Bon, c'est pas grave. Donc, éventuellement, je risque de changer de notation. Alors, donc, je me place dans la situation d'une solution globale. Donc, mon théorème U est radial. Donc, donnée initiale radiale. Je démontre juste la partie 3i de l'alternative, c'est-à-dire je suppose que mon temps d'existence est égal à plus infini, et je veux démontrer qu'en t tend vers plus infini, u de t moins une somme pour j égale 1 à un grand j de plus ou moins, donc w r sur lambda j de t. Donc il existe des lambda j de t, tels que je, quitte à soustraire un nombre, alors le signe, c'est un signe, je ne sais plus quelle notation j'avais pris, mais je crois un aj, où aj peut être soit égal à 1 ou à moins 1. Donc je soustrais j bulle plus une solution linéaire, que je vais écrire v de l, de t, et donc dans l'espace d'énergie, ceci tend vers 0 quand t tend vers plus infini. Bon, alors on y va. Donc ce que je dis, tout ça, c'est juste relié à des questions de dispersion donc et de production de channel. Donc je vais commencer par
Alors, il y a une première chose que je voudrais régler tout de suite. C'est la chose suivante. Pour cette équation-là, vous n'avez aucun principe simple qui vous dit que toute solution, une solution globale est une solution bornée. Donc, c'est une des difficultés de la démonstration. Mais heureusement, on va pouvoir maîtriser cette difficulté à cause de la vitesse propagation finie. Mais il faut que je commence à démontrer quelque chose d'assez simple. D'abord, c'est que je ne sais pas démontrer qu'elle est bornée, mais je vais pouvoir démontrer qu'elle est au moins bornée pour une sous-séquence de temps Tn qui tend vers plus infini. Donc lemme 1, il existe Tn tendant vers plus infini, tel que la solution au temps Tn dans l'espace d'énergie est bornée. Alors, donc il existe Tn, il existe C0. Et en fait, C0 même, on peut le calculer explicitement en fonction, c'est un C0 qui dépend de l'énergie de la solution. Donc je vais utiliser... Alors, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu technique, malheureusement. Donc, je ne vais pas vraiment faire la démonstration, je vais juste donner quelques étapes. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? Alors, le plus simple, c'est de démontrer qu'on n'a pas ça. Alors, c'est quoi c'est-à-dire, si on n'a pas ça, ça veut dire qu'on a une solution globale, telle que la limite, quand t tend vers plus infini, de la norme énergétique est grande. Hein. Ça, c'est le contraire de ne pas être borné sur une sous-séquence. Hein. Donc, ceci est égal à plus infini. À énergie donnée. Et donc, l'énergie de ceci, voilà, est toujours égale à E0. Bon. Alors, il faut reprendre l'argument de Levin pour démontrer que si vous avez ça, alors forcément c'est contradictoire avec le fait que vous êtes défini pour tout temps. Vous reprenez l'argument de Levin et on démontre alors que la solution U de T, alors je vais même préciser la chose, donc, quitte à prendre un autre T0, je peux toujours supposer, quel que soit T, est plus grand qu'un certain A0. A0 est même explicite en fonction de 0, 10 E0. Je suis à énergie bornée et l'argument de Levin va m'impliquer que U de T explose en temps fini. Voilà. C'est juste un argument d'ODE. Hein. Donc on a des estimations. Donc en moyenne, la solution doit descendre régulièrement sous un certain seuil d'énergie. Je ne vais pas faire la démonstration, c'est la reprise de l'argument de Levin. Ça suit le même principe. Voilà. Hein. Donc, on démontre que si on n'a pas ça, alors il y aura bien explosion en temps fini par des méthodes ODE. Hein, donc, on introduit Y de T égale. Alors, vous allez me dire, ceci, c'est pas borné, mais en fait, voilà, X de T plus grand A0 quelconque, voilà. Et pour grand A0 très grand, l'énergie de la donnée initiale sera petite en dehors de A0, et donc ça restera petit. Et donc on arrive à faire des arguments avec ce type d'estimation pour en sortir une ODE sur Y. De T obtiendra une ODE explosive. Par contre, on n'a aucun argument
autre pour dire que c'est borné. D'accord. Donc ça va être une conséquence de notre démonstration. C'est d'ailleurs assez difficile. J'y arriverai qu'à essentiellement l'avant-dernière ligne de la démonstration. Donc je vais travailler uniquement sur une suite TN et travailler que sur cette suite. Donc le corollaire de ça, c'est qu'il existe une suite TN telle que qui tend vers plus infini. Bon, qui est inférieur à 10 fois l'énergie de la donnée initiale. Voilà. Alors, une fois qu'on a quelque chose de borné, mais on peut appliquer le principe de concentration par compacité. Donc je vais travailler sur des suites de données initiales un de t, utn. Donc c'est u0n si vous voulez, u1n. Donc c'est une suite de données initiales. Donc je vais la décomposer. Par la méthode de concentration par compacité entre différentes bulles. Et donc je vais trouver, hein, si vous n'êtes pas borné, vous ne pouvez pas le faire, hein, c'est important d'avoir la bornitude. Alors, je vais arriver à trouver les choses avec les bonnes notations. Bon. Voilà. Donc, il existera, quitte à extraire une nouvelle suite. Donc je travaille à suite près, donc je vais extraire beaucoup de suites là, donc je peux toujours, quitte à extraire une nouvelle suite, il existera une suite, donc j'aurai ma donnée initiale, U0N, U1N, qui sera égale à une sur une somme pour J. Alors en fait ça va être le J de ma conclusion, dont je l'introduis tout de suite, voilà, donc des profils UJ X sur lambda JN X sur lambda JN, voilà, T moins TJN sur X lambda JN, voilà. Alors c'est ce profil, je vais supposer, dont j'en ai beaucoup, mais par contre, pour ce que je vais utiliser, donc, c'est que la norme de linéaire d'une solution de Stricarts est contrôlée par la donnée initiale, par la norme de la H1. Or, comme je pars de solutions bornées, je peux avoir qu'un nombre fini de bulles, c'est ça qui est très important, qui ne scatte pas. C'est-à-dire je vais utiliser le théorème de base, comme quoi c'est ça que la criticité du problème, que si je suis petit en norme énergétique, alors ma norme de Stricarts est petite, et donc je scatte. Hein. Alors il faut savoir, pour vous figer, pour vous... Qu'est-ce que ça veut dire scatter, en termes... C'est-à-dire se comporter comme une solution linéaire dans l'espace d'énergie à l'infini. Mais comment se comporte une solution linéaire? Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre. C'est très simple.
en dimension 3, une solution linéaire, S de t, V0, V1, va se comporter essentiellement, je vais écrire quelque chose de faux, mais c'est très bon de comprendre ça à l'infini, dans l'espace d'énergie, comme 1 sur t, une h, qui est une autre fonction, h0, alors, alors c'est x moins t, donc c'est x moins t, où je vais écrire en radial, hein, r moins t, en fait ça marche tout en non radial, tout ça, mais je vais écrire ça comme ça. Donc je me place juste pour t égale plus infini. Essentiellement, c'est toute l'énergie se situe dans, au voisinage du cône de lumière. D'accord ? Donc une solution linéaire se comporte essentiellement comme une fonction fixe, en fait, r de moins t sur t. D'accord ? Donc, il faut penser que l'énergie d'une solution linéaire se colle au cône de lumière. Alors ça, ça se démontre, c'est pas très compliqué. Je ne vais pas y revenir là-dessus. Non, j'ai jamais expliqué ça aussi clairement, mais c'était juste pour vous donner des idées. là, et si vous calculez la norme, comme par hasard, la norme avec le poids, vous verrez que sur le cône de lumière, le R2 se simplifiera avec le t au carré, donc vous aurez essentiellement que la norme énergétique sera essentiellement celle reliée au gradient de H0. D'accord ? Alors, donc, ça c'est la partie qui ne scatte pas, plus des bulles supplémentaires, J supérieur à strictement à J, de profil. Alors, je vais les noter avec des barres, ceux-là. X sur lambda J, N, voilà, TJ, N. Mais ceux-là scattent des deux côtés. Hein. Voilà. Plus quelque chose qui peut être aussi petit que l'on veut en norme de Stricart. Petit Stricart. OK. Donc, ça, j'ai des profils qui scattent, et là, j'ai mes profils qui ne scattent pas. Et j'en ai un nombre automatiquement fini. Voilà. Alors, on peut fixer le J juste, quitte à reprendre une nouvelle suite. Hein. Alors, la première chose qu'il faut voir, donc je vais vous expliquer les principes de démonstration. Hein. Mais ça. C'est qu'il y a une première chose très importante. Pas de profil self-similaire. C'est-à-dire self-similaire, c'est-à-dire des profils tels que ceci et de l'ordre de Tn. Bon, je vais faire ma pause ici, parce que après je pense que c'est mieux que je m'arrête là pour faire la pause. Alors, et après, on va écarter les scénarios 1 à 1 pour démontrer ce résultat-là. Donc, tout ceci, c'est lié que à des problèmes de dispersion. Voilà. On fait juste une toute petite pause parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un peu court.
Oui. Il grandit et n'est pas borné avec M, en fait. Alors, on ne peut pas, parce que chaque fois que, qu'une solution ne scatte pas, la norme de cette donnée initiale est, doit être supérieure à une certaine constante qui dépend que de la dimension. Or, la somme de toutes les... Comme il y a découplage sur les, dans les échelles, la norme des données... G, hein, que la somme pour J égale 1 à grand J de la norme de UJ, espace-temps, carré, est inférieur à (10 × 0). Et donc je ne peux pas en avoir une infinité. C'est pour ça que je suis obligé de travailler que sur des objets bornés. Le principe de toutes ces théories critiques est de travailler uniquement sur des objets bornés. Dès que l'objet n'est plus borné, on perd tous les avantages de la théorie critique. C'est donc l'air de rien, c'est à cause de ce principe-là que je peux commencer à travailler et utiliser ma théorie critique. Sans ce petit lemme, je ne peux pas travailler. Parce que je dois absolument avoir que des objets, un nombre fini d'objets. Bon, je vais reprendre. Je ne vais pas vous faire une démonstration rigoureuse de A jusqu'à Z, mais je vais plutôt essayer de vous montrer tous les scénarios possibles, les écarter un. En fait, concrètement, voilà, c'est un. Il y a plusieurs principes qui sont assez simples et en nombre très, très réduit pour faire la démonstration. Mais il faut bien les manipuler systématiquement dans chaque cas pour pouvoir démontrer ce que l'on veut. Voilà. Alors, j'essaye de retrouver. Voilà. Donc, je travaille toujours avec ma séquence TN maintenant, jusqu'à la fin, presque à la fin de la démonstration. Et la première chose qu'on va séparer, c'est en fait il y a un lemme de base qui va permettre d'isoler la partie linéaire de la partie non linéaire de la solution quand Tn tend vers l'infini. Alors en fait ce lemme est relié à ce lemme suivant. Il existe VL, donc cette fois-ci c'est même pour tout temps, hein, en fait, une solution linéaire, telle que, quel que soit appartenant à R, donc pas forcément A positif ou A très grand positif, la limite quand T tend vers plus infini, donc je ne suis même pas sur Tn, hein, là, je vais soustraire gradient de U moins gradient de VL en temps, enfin, T plus UT VL de T tend vers 0 quand T tend vers plus infini. Quand T tend vers plus infini. Voilà. Non, j'ai mis trop de convergence, donc c'est juste égal à 0. Voilà. Donc il existe une solution linéaire. Il y a des barres sur l'intégrale, il y a des barres. Sur l'intégrale. Ah oui, pardon. Oui, sinon il n'y a pas de A. C'est quel que soit x plus grand que t moins a. Alors, j'ai mis moins, mais vous pouvez mettre plus. C'est simplement pour insister que quand A est positif très grand, ça donne une vraie information. Voilà. Alors, on avait ceci juste par petitesse de la donnée initiale pour A négatif et très grand, enfin en valeur absolue. Hein. Donc, si je prends ma donnée initiale là, U0, U1, donc
j'ai R, là j'ai T. Donc si je prends la solution pour R supérieur à un R0 très grand, attention, je ne suis plus avec mon lemme où je démontrais que toute solution qui n'est pas une solution stationnaire produit un canal. Donc, d'ailleurs, là, je pars d'une initiale générale. Hein. Et donc, là, j'ai une petite S, et donc je peux utiliser, je localise ma fonction, ma donnée initiale ici, par le même cutoff ici. Donc, j'ai une petite donnée initiale définie sur tout l'espace. Je peux utiliser ma théorie de scattering, dont ça correspond à une solution linéaire en plus infini, et en particulier, ça correspond à une solution linéaire en plus infini dans ce cône d'onde-là. Donc, j'ai cette propriété-là pour A négatif et très grand en valeur absolue. Là, ce que je dis, c'est vrai pour tout A. Bon, alors, c'est un peu... c'est pour évacuer le phénomène de bord lié au cône. Et en fait, une fois que j'aurai enlevé ça, il ne me restera que mes bulles. Hein, c'est ça le principe de démonstration. Bon, alors, ceci fait partie de la démonstration de ça. Donc, je vais commencer à évacuer ce cas-là. Donc, je suppose que dans mes bulles, ici, j'ai une bulle qui a un profil, oublions ce temps-là, faisons un truc simple, j'ai juste une bulle sous cette forme-là. Donc, il existe un U qui scatte ou qui ne scatte pas sous la forme X sur Tn, lambda Tn puissance 1/2. Donc, j'ai une bulle sous cette forme-là plus tout le reste. Donc, par contre, qu'est-ce que je peux dire immédiatement? Donc, là, je suis en Tn. Donc, c'est U de Tn qui est égal à ça. Hein. Donc, excusez-moi, j'ai dû... Non, c'est ça, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire immédiatement? Alors... Le principe que je vous ai dit sur la donnée initiale implique de facto que ma solution, si je considère U de Tn x sur Tn sur lambda, ben si je m'éloigne un peu de ce cône-là, c'est-à-dire si je suis pour R plus grand que 1 plus delta quelconque Tn, pour Tn tendant vers l'infini, l'énergie de cette zone-là tend vers 0. Hein, parce que l'implication du scattering implique aussi que l'énergie ici peut être aussi petite que je veux. Or, maintenant j'ai pris, si je redescends ici, dans cette zone-là, pour ma donnée initiale, ça correspond à, ceci est contrôlé par l'énergie pour R plus grand que delta 0, delta Tn, qui tend vers plus infini. Donc l'énergie tend vers 0, donc cette énergie tend vers 0. Et donc, en particulier, ma fonction U est à support compact. Support inclus dans la boule de centre 0 et de rayon 1. Voilà.
Voilà. D'autre part, les autres bulles sont dans des fenêtres différentes. Donc supposez, on va faire quelque chose d'assez simple, qu'elles sont plus concentrées. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Ici, j'aurai des a priori, je n'ai plus de bulles dans cette fenêtre X sur Tn. Ou alors, il faudrait que j'ai un temps de ce type-là qui intervient. Alors, si un temps de ce type-là intervient quand ça tend vers l'infini, je pourrais démontrer essentiellement qu'elle se comporte comme une solution linéaire. Donc, je vais oublier ceci, je vais juste penser à des choses assez simples, du genre que ceci, ce temps-là, lambda J sur Tn, est contrôlé. Parce que sinon, ça ferait rajouter des normes de Stricarts qui ne sont pas très importantes. Voilà. Maintenant, alors, donc là, j'ai des normes de Stricarts ici. Alors, ce que je vais faire, et j'ai mon support, donc je vais couper à... Donc le support va jusqu'à un R0, qui est R0, est inférieur ou égal à 1. Il peut être égal à 1. Et donc, je vais me mettre un 0 moins delta 0, et je vais regarder la solution dans cette zone-là. Alors, ce que je viens de dire, c'est que les autres bulles sont sont pas dans cette zone-là, et que et ce que j'ai ici, c'est essentiellement des solutions à normes un reste qui est petit, bon, parce que je dois fixer une norme de Stricarts très petite. Bon. Donc l'interaction va être toujours petite, donc je vais être toujours je vais avoir une donnée initiale qui produit, si je coupe là, cette solution, là je vais couper, donc en même temps je coupe tous les autres profils, et je me restais juste avec la queue d'un profil U, plus un reste avec donnée initiale norme de Stricarts petit. Donc je vais pouvoir appliquer mon résultat petite donnée. Alors si j'applique mon résultat petite donnée, je vais pouvoir avoir un découplage. Alors regardez, si donc la solution dans ce cône d'onde là, donc je vais enlever là, je vais prendre un petit morceau de mon cône légèrement supérieur, là essentiellement j'ai 0, là j'ai beaucoup d'oscillations, j'ai des solutions essentiellement linéaires, plus la petite queue de ma solution U, là, que j'ai tronquée, hein, donc l'interaction est faible. Donc, la solution U ne peut pas envoyer un paquet d'énergie ici, parce que sinon, je pourrais redescendre jusqu'à ce niveau-là de la donnée initiale. Donc, je serais un R essentiellement égal à 2Tn, et j'aurai un tout petit paquet d'énergie ici. Et ça, c'est pas possible. Donc, en fait, l'énergie doit aller par ici. D'accord? Maintenant, je n'ai pas produit de contradiction jusqu'à maintenant. Donc, j'ai renvoyé un petit paquet d'énergie. Donc, je n'ai aucune contradiction. Mais ce qu'il faut faire... c'est qu'il faut réitérer ce processus, en fait. Et donc, je vais vous donner le principe. Donc, j'ai fait un premier principe, comme quoi le paquet d'énergie que pouvait être envoyé par cette solution ne pouvait pas être envoyé de ce côté-là. Maintenant, je dois exclure ceci. Or, ceci, je ne peux pas l'exclure tel quel, juste avec cette fonction-là. Je dois l'exclure en utilisant le fait que j'ai une suite infinie de 100 Tn. Donc, Tn tend vers plus infini. Alors, je vais vous... Voilà.
Donc j'ai tn. Puis beaucoup plus loin, j'ai un tn plus 1. Et ainsi de suite. Tn plus 2. Alors ici, bon, cette solution, cette méthode s'applique. Donc là, j'avais essentiellement quelque chose, un paquet d'énergie, norme de Stricard petit. Et donc, ce que j'ai réussi à envoyer, c'est renvoyer la même chose ici. Donc, énergie à zéro qui était petite donnée de Stricard, plus un certain morceau de ma donnée initiale U que j'ai réussi à envoyer dans le channel. Donc j'ai rajouté un petit morceau. Et ce que je peux faire, je peux... Bon, et ceci continue en très longtemps. Mais je peux prendre des suites Tn plus 1 qui vivent, si vous voulez, dans des échelles très différentes. Donc Tn au carré, par exemple. Et donc, quand je vais réitérer mon processus, à nouveau, ceci sera très proche de mon cône d'onde. Et j'aurai mon nouveau profil, là, qui va réapparaître, et qui va renvoyer un autre paquet d'énergie, mais qui sera découplé de celui-là. Celui-là aura eu le temps... sera essentiellement ici. Maintenant, Tn plus 1, il est vraiment beaucoup plus grand. Tn au carré. Donc ma fonction là, qui est égale à ux sur Tn carré, si vous voulez, elle vit dans une échelle différente. Donc elle va me renvoyer un paquet d'énergie qui sera complètement découplé de ceci. Et donc les paquets d'énergie vont pouvoir s'accumuler. Et donc je vais créer des paquets d'énergie. À chaque fois, ça prend une petite norme. Et j'en crée une infinité. Et comme ça, je fais augmenter la norme de ma donnée, de ma solution jusqu'à dépasser le seuil critique, c'est-à-dire 10 fois l'énergie de zéro. Donc j'arrive parce que ces paquets n'interagissent pas entre eux. Ils vivent dans des échelles différentes. Voilà. Et donc, ce que j'arrive essentiellement à démontrer, c'est que je n'ai pas de profil dans la zone. Si profil il y a, ils sont beaucoup plus concentrés. Ils ne sont pas dans cette zone-là. R égale Tn. Alors maintenant, ce qui est facile de voir ensuite, c'est à nouveau si je localise ici, pour R supérieur à Tn, si j'arrive à localiser ici, pour R supérieur à delta Tn, Tn0, mais ici je n'ai plus de, je peux pas avoir vraiment de profil. Et donc, la solution ici, la norme de Stricard de ce bloc-là, peut être que petit. En fait, il doit tendre vers 0. Parce que si le bloc de Stricard n'était pas petit, si je coupe la donnée initiale à nouveau là, dont je regarde cette donnée initiale, donc j'aurai une solution de l'équation qui est norme bornée, norme de Stricard pas petite, et donc je dois avoir par ma décomposition profil, je peux exhiber un profil qui vivra dans cette zone-là, ici. Et donc ceci implique de facto que la norme de Stricard de la solution ici est tend vers 0. Alors une fois que j'ai ça, je me place pour R supérieur à 1/2 de Tn. J'ai la norme de Stricard de la solution qui est petite là, donc je ne peux pas avoir de profil. Et donc l'argument que je faisais sur la donnée initiale disant que la norme de Stricard était petite impliquait que la solution sur tout ceci correspondait à une solution qui scatte, je peux le faire pour un n très grand. Tout ça, c'est des raisonnements pour n très grand. Et donc, il existe un grand n, n0. Je pourrais appliquer mon raisonnement. Et donc, je démontrerai que la solution dans tout ce cadre-là coïncide avec une solution qui scatte. Alors, j'applique ça pour n0 fixe.
Donc je applique ça pour un n fixe, n0. Et donc j'obtiens une solution qui scatte. Voilà. Donc la Alors maintenant, à nouveau le même principe. Donc j'obtiens une solution qui scatte et en plus elle prend toute l'énergie de ma donnée initiale. Donc pour n grand, pour n supérieur à n0, si je regarde ma solution u de tn, phi multiplié par phi de r sur tn, r sur tn, donc avec un phi qui localise, donc là c'est phi, la solution égale u de tn là, pour r supérieur à tn multiplié par alpha, j'ai pris alpha égale 1/2 en fait, voilà. Et ici, je ramène ça à des constantes. Donc ici, je peux dire que la solution scatte et la solution est égale à une solution linéaire. Or, je peux faire ce raisonnement-là pour n0. Maintenant, la solution linéaire, je vais utiliser ce que je vous ai dit précédemment, elle concentre toute son énergie sur le compte d'onde. Donc non seulement la solution linéaire, la solution est scatte, donc l'énergie se comporte comme l'énergie d'une solution linéaire, et donc ça veut dire quel que soit t supérieur à tn0, je pars de tn0 sur 2, voilà. Donc l'énergie de ma solution va se concentrer pour x égale t. Hein. Donc oui, pardon. Donc U de T plus Tn va se comporter comme U de T V excusez-moi, je vais pas raisonner comme ça. Là, j'ai Tn. Voilà. Et donc, toute l'énergie ici va se comporter comme une énergie linéaire. Très bien. Alors, vous allez tout de suite voir que... ça permet de balayer toute l'énergie... Voilà. Comme je peux appliquer ça pour tout n supérieur à n0, j'arrive à recouvrir donc mon théorème que j'ai démontré quelque chose de plus fort. Ah, j'ai dû effacer. Voilà. Alors j'ai démontré quelque chose de plus fort. C'est que j'avais écrit qu'il existe une solution linéaire telle que l'énergie de ma solution xt vl de t
tendait vers 0 quand t était supérieur à r moins 1. Donc en fait, je démontre quelque chose de plus fort. En fait, j'ai démontré essentiellement que si je prenais r sur 2, enfin 3 demi de 3, pour t plus grand que r, 3 demi de r, ça marche en fait. Voilà. Bon, pour légèrement plus fort. Malheureusement, j'ai voulu simplifier un peu trop la démonstration et je suis en train de passer sous silence une petite partie de la démonstration. Je suis un peu désolé, donc je triche un peu en disant ça. Voilà. Alors, ça, c'est le premier... La première chose, donc j'ai isolé une partie linéaire. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Je vais appliquer le régime, le résultat, sur chacune des bulles. Alors, je vais vous... si vous voulez, la partie linéaire, quand elle part à l'infini, elle produit une norme de Stricard, c'est égal à 0, hein, quand on regarde pour t plus grand que tn. Et donc, la seule partie telle que, qui devrait intervenir sur les normes de Stricard, c'est relié à ces profils. Alors, faisons un cas simple où j'ai j'ai deux profils. Donc, j'ai un premier profil, là. Donc, ce que j'ai vu, c'est un U1 de R sur lambda1n. Lambda1n. Voilà. Ici, j'ai ma solution linéaire qui est très proche du cône d'onde. Voilà. Et je veux montrer que j'ai une contradiction. Je veux démontrer que chacun des ceci n'existe pas et que ceux-ci sont égaux à un W. Donc je vais supposer. Regardons juste le cas où j'ai. Alors tous mes profils peuvent être ordonnés dans une certaine échelle. Donc je suppose que j'ai deux profils, comme ça, lambda 1, et ça contient essentiellement toutes les difficultés à la démonstration, et j'en ai un deuxième, lambda 2, n, r sur lambda 2, donc plus concentré, là. Je veux toujours appliquer mon lemme de décomposer, mon lemme comme quoi si j'ai une norme, une solution avec une norme de Stricard petite, alors je connais la solution. Là, quand j'ai des gros profils, je peux rien dire parce que si vous voulez, je peux comprendre la solution comme une superposition de ces profils uniquement sur des temps très 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 petits. Alors je suis obligé de couper les solutions là. Alors, je me place ici, donc ici j'ai ma solution linéaire, et donc c'est essentiellement Stricard, très petit, donc j'oublie ça. Donc c'est un peu, et ça c'est une énergie fixe, donc j'oublie cette partie-là. Donc si j'arrive à produire un channel sur ce profil-là, donc je regarde les profils, et je regarde ceux qui sont les plus concentrés, les plus... Alors, donc celui-là est plus concentré, hein, et... Je regarde le premier profil là. Ben, je suppose qu'il n'est pas égal à W, donc il va produire un channel. C'est ça le principe. S'il n'est pas égal à W, il produit un channel. Et éventuellement, je peux travailler un tout petit peu pour... bon. Voilà. Alors, je vais couper. Je vais prendre une nouvelle donnée initiale. Je vais couper ici, donc je coupe tout ici, donc ça disparaît, je coupe là, je coupe cette partie du profil, et donc je regarde ma nouvelle initiale, donc il me reste que juste une petite queue de celui-ci, donc j'ai une information, cette partie linéaire, et je regarde ce qui se passe, à nouveau que dans ce cône. Donc le fait que j'ai d'autres profils, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est ça le principe, je travaille que sur cette donnée initiale, où j'ai coupé, donc ces profils disparaissent, donc j'ai essentiellement qu'un seul profil, je suis ramené à qu'un seul profil, plus
une queue où j'ai l'information sur profil. Évidemment, ça me donnera des informations sur ma solution initiale uniquement dans cette zone-là. Mais c'est que dans cette zone-là où je veux avoir des informations. Ce que je vais produire, c'est faire un channel linéaire. Donc, je vais dire que la solution, c'est égal à la somme de la solution linéaire plus à ce petit morceau de la solution non linéaire et qui me produit un channel, parce que ce n'est pas un W. J'ai supposé que ce n'était pas un W. Voilà. Et je peux l'avoir pour tout temps. Donc, si ça produit un channel, ça produit de l'énergie. Hein? Alors, il suffit que je pousse mon énergie c'est très facile maintenant de trouver la contradiction. Donc je suis parti d'un Tn. Donc je suis parti de Tn, là. Donc je suis très concentré. Donc je suis. J'ai coupé à quelque chose qui était relié à lambda 1n. Là j'ai une queue. Là, j'ai ma. Et là, je suis au temps Tn. Alors, prenez en Tn plus 1, tel que ceci va se reproduire, je vais le prendre égal à nouveau à Tn au carré. Donc, j'ai regardé ceci dans un channel là. Et donc, j'ai mon petit channel où j'ai mon énergie là, qui s'est écarté. Hein, parce que. Et je suis au-delà. Si je prends les temps très espacés, je serai au-delà de Tn sur 2. Et donc, j'ai ramené un petit morceau d'énergie au-delà de Tn sur 2. Or, une conséquence du fait que au-delà de Tn sur 2, j'avais plus d'énergie, c'est que l'énergie dans cette zone-là, une conséquence... Tn sur 2, l'énergie, elle est égale essentiellement à l'énergie de la solution linéaire, donc elle est constante. Donc j'ai ramené un petit morceau d'énergie supplémentaire à l'énergie de la solution linéaire qui est constante, et donc j'ai fait un incrément fixe, et donc ce n'est pas possible. Et donc c'est ça le principe de base. C'est que dès que je channel avec des solutions linéaires, ça s'ad, et en fait... ça ne peut pas se stabiliser. Alors, j'ai démontré que justement l'énergie autour du cône se stabilisait. Donc, ce n'est pas possible. Et donc, je ne peux pas créer de channel là. Alors, donc, ce que j'ai dit est complètement exact jusqu'à. Alors, je vais vous donner, ça vaut la peine cette fois-ci, un peu plus de démonstration technique. Parce que j'ai supposé que là, que ma solution était... Donc si elle n'était pas égale à W, elle crée un channel, mais j'ai supposé un peu que c'était petit. Hein. Alors, il y a aussi un autre problème dans la démonstration, c'est que je travaille dans un problème explosif. Et en fait, techniquement, j'ai une difficulté inhérente à ce problème-là, mais je ne voulais pas en parler. Mais là, c'est que je peux suivre la solution de cette équation tant que cette solution n'explose pas. Or, malheureusement, je sais que pour mes séquences, de temps que la solution U est bornée uniquement en Tn. Mais en dehors de Tn, je n'ai pas beaucoup d'informations. Donc la catastrophe pourrait se produire c'est si ma solution U1 était une solution explosive. Alors, c'est pour ça que je suis obligé de travailler uniquement sur des petites données. Alors, comment évacuer ce problème? C'est à nouveau par localisation. Donc ce que j'ai utilisé, j'ai coupé U1
pour x plus grand qu'un certain A0. Et, essentiellement, j'ai pris A0 grand pour que j'ai une solution globale. Alors, maintenant, le channel, je ne sais pas le contrôler pour toute donnée initiale. Donc, je dois, malheureusement, faire D'accord. Donc, je reprends ma démonstration. Soit je suis égal à un W, une solution stationnaire. Donc là, je produis pas de channel. Si je suis grand, pas de channel, alors ça implique quelque chose de plus fort, ça veut dire que U1, X plus grand que A0, tant que ceci est petit, est exactement une solution stationnaire. Un W lambda 0 ou 0. Bon. Alors, la catastrophe, ça serait que je suis égal à W0, mais que sur les compacts, j'ai un gros, quelque chose d'assez gros, et je suis une solution un peu explosive. Et donc, j'aurai quelques petits problèmes. Alors, il suffit de dire, ben, si je ne suis pas égal à W0, il existera un premier point, R0, tel que je suis exactement égal à W0 en dehors. Et ici, je serai, égal à, je suis pas égal à un W0. Et donc, j'arrive à produire un channel ici. Alors, tout en disant que j'ai une solution petite, et donc j'arrive à exclure l'explosion qui se produirait ici, en travaillant non plus sur ça, mais en localisant ma solution non linéaire. Donc ça serait x R1 moins delta moins epsilon 0 plus t. Bon, ça c'est des petites astuces dont je localise aussi ma non-linéarité. Bon, ça c'est pour éviter les phénomènes d'explosion. Ce que j'ai réussi à démontrer, c'est que si mon premier profil maintenant n'était pas une solution stationnaire, bon, ça ne peut pas être zéro, car c'est un profil, c'est une énergie fixe, quoi, non nul, c'est un profil non nul, j'arrive à créer un channel. Alors, vous allez me dire, mais ça c'est bien beau, mais pourquoi le deuxième profil est forcément un W? Et donc, c'est peut-être... Je vais vous montrer le principe. Alors, c'est une application dans le bon ordre de deux principes que je vous avais. Les seules choses que j'ai, c'est estimation de Strictkartz petite, je connais la solution, et sinon, c'est principe de localisation. Donc, supposons que j'ai une solution égale autour de Tn à une solution linéaire. J'ai un premier profil W, x sur lambda 1n, et j'ai un deuxième profil, alors que qui c'est dans une échelle différente, mais pour les besoins de la cause, je suis obligé de le faire là, moins w, x sur lambda 2n. Alors, excusez-moi, donc c'est un u2, lambda 2n, et je veux démontrer que c'est à nouveau un w. Bon, alors, petite difficulté. Là, le principe que j'ai utilisé ne marche plus pour la localisation. Donc, là j'ai 0. Je vais couper ma solution. À nouveau, je vais travailler sur la queue de ma solution. Là, je vais juste travailler sur la queue. Donc, je vais couper ma solution là. Donc, à quoi va correspondre ma nouvelle donnée initiale? Donc, il reste un petit morceau que j'ai coupé. Voilà, là j'ai ramené ça à 0. Donc, et je regarde la solution que sur ce cône. Donc là j'ai mon W ici. Alors,
Bon, ben, je suppose que je suis pas un W, donc je crée un channel. Voilà. Alors, maintenant, si je ramène le tout, alors vous voyez que si je n'avais pas coupé ici, je ne pourrais pas dire que ma solution est... Alors ce que je vais faire, donc je suis en Tn, je vais aller en Tn plus lambda 1 de t. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Alors, pour les biens de la cause, je renormalise sur un temps tau. Je travaille sur un temps tau qui était sur lambda 1n. Alors, j'ai un petit... Donc, après renormalisation, j'ai un tout petit morceau d'énergie qui était très proche de 0. J'ai mon W, là. Puis, à nouveau, très loin, j'ai ma solution linéaire. Donc, qui compte pas. Donc, oublions ça. Donc, pour un temps T tau égale de taille 1 ou 2, par exemple, prenons 2, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai une solution W, dans celle-là, elle n'a rien à faire, je ne peux pas la couper, donc elle me donne une norme de Stricarts de taille 1. Par contre, celle-ci, je l'ai pris petite, et une norme de Stricarts c'est égale petit. Donc, je peux calculer l'interaction de ces deux objets. Et donc, j'arrive à démontrer que la solution en ce temps-là est égale à W qui n'a pas bougé, c'est ça qui est très important, c'est que le W ici, c'est une solution stationnaire. Par contre, mon petit channel, lui, il se déplace avec T. Et donc, comme j'ai bougé exactement sur un temps d'échelle lambda 1 de Tn, maintenant, mon channel, il a poussé cette énergie ici, loin de la première bulle. Et donc, je me retrouve avec un petit paquet d'énergie ici, qui va aller à l'infini. Ma nouvelle donnée initiale ici, en ce temps-là, que je vais appeler Tn', elle est égale à quoi? Maintenant que j'ai poussé mon énergie ici, elle n'interagit plus ici, donc je me retrouve, ma solution non linéaire W, mon premier profil, il ne me dérange plus en ce temps-là. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lui, il n'a pas bougé, tandis que la solution qui channelait, lui, elle s'est échappée sur son compte d'onde. Donc là, c'est 0. Donc là, je suis en Tn'. Et donc, en Tn', j'ai... mon W qui est après renormalisation lambda 1n. Voilà, là par exemple, j'ai mon channel qui est très concentré parce qu'il était sur une échelle différente, plus ma solution linéaire qui est là, donc en Tn, xr égale Tn, donc j'oublie celle-ci. Mais maintenant, j'ai poussé mon paquet vers la zone où mon profil était, second profil était petit. Et donc, je vais pouvoir à nouveau couper la solution et regarder la solution que sur cette zone-là. Mon channel, il continue à... La solution, je la connais, c'est une solution linéaire qui se comporte comme ça. Celle-ci, à nouveau, je vais utiliser le principe de l'équation linéarisée autour du W, par exemple. Et donc, il ne va pas perturber l'équation linéaire. Et donc, je vais pouvoir continuer... et donner un paquet d'énergie, envoyer un paquet d'énergie sur la frontière du cône. Et comme je peux répéter ça une infinité de fois, ce n'est pas possible. Donc vous voyez, sur chaque échelle de temps, vous pouvez produire quelque chose qui est problématique sur le profil concentré. Vous faites en deux temps. Vous localisez là, à l'extérieur. Et vous pouvez, vous avez à travailler avec une interaction avec un gros objet. Ça, il n'y a rien à faire. Ça fait partie du problème. Donc, vous pouvez le faire que par la méthode de perturbation avec les normes de Stricarts. Il n'y a aucune autre possibilité.
Alors, vous pouvez enlever quand même tous les paquets hyper concentrés là en coupant là, mais vous ne pouvez jamais enlever le soluton qui est complètement étalé. Donc, vous poussez jusqu'à un temps où vous arrivez à la même échelle. Alors, ça tombe bien. Le lemme de continuité des solutions dans l'espace de Tricard s'applique jusque-là avec ces solutions-là que j'ai tronquées. En ce temps-là, j'ai réussi à pousser mon channel linéaire à la limite de mon deuxième soliton. Donc j'ai mis quelque chose qui était plus dans cette zone-là. Et donc je suis ramené au cas précédent, c'est-à-dire au cas où j'ai un paquet d'énergie un peu loin de ma première bulle. Voilà, et il faut faire ce... Alors maintenant, quand vous avez K soliton, vous devez répéter ce processus K fois. Là, je ne l'ai fait qu'une fois. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à gérer les interactions entre solitons. Hein? Donc, c'est par le fait qu'on, quand on channel, on se déplace sur les comptes d'ondes, que les solutions stationnaires ne bougent jamais, et à chaque fois qu'on peut agir sur l'équation. Alors, bon, je vous ai donné un peu le principe. Je sais que la démonstration qu'on a écrite est assez différente, mais en fait, ce que je vous donne, c'est la vraie démonstration, c'est-à-dire celle quand on a compris comment faire le problème, ce qu'on a fait. Et après, on s'est dit, si on sait faire ça, on sait tout faire. Mais bon, alors après, la vraie démonstration, malheureusement, comme il y a des tas de petits problèmes techniques, on est obligé de faire légèrement différemment. Mais les principes que je vous ai donnés sont tous les principes de la démonstration. Alors, pour finir, et là, par contre, je pourrais faire des démonstrations exactes, c'est une fois qu'on a démontré ça pour la séquence TN, donc on a démontré qu'il existe une suite, voilà. Comment passer pour tout temps? Alors, c'est des principes de continuation topologique assez simples, finalement. Alors, une première remarque. Donc, comment passer de Tn qui tend vers plus infini à un résultat à t qui tend vers plus infini, hein? Donc, on a limite quand n tend vers plus infini, après compilation de tout ce qu'on a fait, de u de Tn moins vl linéaire de Tn plus la somme de i égale à 1 à j de plus ou moins w x j lambda n sur lambda j n puissance 1/2. Voilà. En norme, h1 3L2 qui tend vers 0. Alors, première remarque, quand vous avez ça, on peut calculer la norme énergétique de la solution. Et donc, on obtient J fois énergie de 0 plus l'énergie linéaire, parce que quand vous appliquez l'énergie non linéaire sur une solution linéaire, avec T qui tend vers l'infini, la partie non linéaire est négligeable. Et donc, V de Tn qui est égal à l'énergie linéaire de V0, V1, dont une constante. Et donc, vous voyez que le nombre J est fixé, hein, par cette relation, là, énergie de E0. Bon, alors je vais appliquer ce principe-là. Et de même, la norme H1, que j'ai fait pour l'énergie, je peux faire aussi pour la norme H1.
Donc la norme H1, j'utilise que mon problème est critique, est invariante par scaling. Et la norme H1 est reliée en fait, pour la solution linéaire à une fraction de l'énergie linéaire. Ah, j'ai mis UT, donc ça marche, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, c'est vraiment l'énergie linéaire. Linéaire de V0, V1. Bon, alors peut-être deux fois, parce que l'énergie, c'est avec un demi. Voilà. Et donc, vous remarquez que mon niveau est fixe en fonction de J. Et voilà le principe. Si, quand T tendait vers l'infini, ma norme pouvait être différente, cette quantité-là, gradient de U de T et gradient de UT en norme L2 pouvait être différente de cette quantité-là, je peux obtenir une contradiction. Alors, allons-y. Supposons qu'il existe Tn', plus grand que Tn, tel que cette quantité-là est différente de ceci. Donc je peux le prendre est égal à un nombre que je vais fixer C0, avec C0 différent de ceci. Alors, si vous voulez, tend vers C0, quand Tn' tend vers plus infini, avec C0 différent de ce nombre. Donc vous avez remarqué, tout ce que j'ai fait précédemment, alors vous voyez, cette quantité-là, c'est l'énergie linéaire. Donc ça, elle est toujours là pour tout temps. Donc, je vais supposer qu'il existe... que j'ai cette propriété-là. Donc je peux faire tous mes raisonnements précédemment. Je peux faire les décompositions bulles, ainsi de suite, et démontrer qu'il y a une partie linéaire et une partie qui est l'énergie des bulles. Or, la partie linéaire ne dépend pas de la suite Tn. C'est pour ça que j'avais fait le lem pour tout T quand T tendait vers l'infini. J'avais que cette quantité-là, en fait, xt de v de t, pas forcément tn, tendait vers 0 pour x plus grand que t moins a. Donc ça marche pour tn et pour tn'. Donc cette quantité-là, elle ne dépend pas de la suite. Par contre, celle-ci pourrait dépendre de la suite. Mais comme c'est juste un ensemble discret dans R, ben, si je prends C0 égal à ça, et par exemple, j'obtiens une contradiction. On obtient une contradiction. Dès qu'on prend ceci égale plus ou moins, si vous voulez, epsilon 0, où epsilon 0 est petit. Hein? Donc juste comme je suppose que ceci ne tend pas vers ça, donc je peux trouver une suite plus grande, telle que, juste par mon théorème de continuité, telle que c'est égal à plus ou moins un epsilon 0 fixe non nul. Or, ça ce n'est pas... si je fais maintenant mon principe de décomposition Tn', décomposition en bulle en Tn'. Alors j'obtiendrai, pour un autre J', j'ai ceci, mais bon, comme ceci est un nombre, c'est des nombres isolés, c'est pas possible. Donc en fait, on obtient que non seulement la solution est bornée, mais que pour tout T, on a
cette information. Décomposition, voilà. Bien. Voilà, donc ça, ça montre que la solution est bornée, donc j'obtiens juste là maintenant que la solution est bornée. Hein? C'est en ayant compris complètement le comportement d'une solution à un temps non borné, enfin un temps où la solution est bornée, que je peux en déduire qu'ensuite, pour tout temps, la solution est bornée, parce que j'ai obtenu que cette quantité-là était essentiellement vivée que sur un ensemble discret de R. Voilà, parce que le J aurait pu dépendre de la séquence. Voilà, et c'est pas possible. Voilà. Oui. Alors, ben je suppose qu'il y en a deux, et comme ceci est une fonction continue du temps, je peux prendre égal ceci, par exemple, à J plus 1/2, ou moins 1/2. De ça. Disons que soit J grand J soit 15 et l'autre grand J soit 14. 16. Alors il existera une suite, nouvelle suite de temps Tn' entre les deux, tel que ceci sera égal à 15,5. Et je ferai mon lemme de décomposition et je verrai que mes bulles donnent juste un nombre discret. Hein, parce que ceci ne dépend pas de Tn. Ceci ne dépend pas de la suite de temps. Et j'obtiendrai une contradiction. Et oui, parce que la limite, c'est tellement rigide, mes décompositions, que la seule façon de ne pas disperser, c'est d'être sur un ensemble discret de normes. Voilà. Donc en particulier, j'obtiens que c'est borné. Mais plus, hein, j'obtiens que j'ai ceci. Voilà, alors ça c'est la... Bon. Alors maintenant, je vais... Alors on démontre ensuite... Bon, alors essentiellement la démonstration est terminée. Il faut juste démontrer que les objets qu'on a définis ne dépendent plus... de la... Bon, alors là, vous voyez qu'essentiellement, on a démontré que le nombre de bulles était fixe. Alors, les signes pourraient changer. Alors, on va démontrer le théorème rigoureusement maintenant, quand t est envers plus infini. Alors, maintenant, je définis Bj voilà, j'utilise que ma solution n'est pas support compact. Et le lambda J de T, ben, je peux le définir maintenant avec ma solution. Hein. C'est tout simplement... Alors, je dois définir quelque chose avec T. Donc, et la bonne définition, c'est que je soustrais, c'est l'infimum pour tout lambda. Cette démonstration marche parce que j'ai... ma solution stationnaire n'est pas à support compact. Voilà. Gradient de U, dont je travaille avec la différence de la solution linéaire que j'ai définie pour tout temps. Bj. Voilà. Et donc j'arrive à trouver des échelles. Hein, où je vois mes bulles à chaque étape. Et maintenant, mon but, c'est de démontrer que limite quand t est envers plus infini de u de t moins vl de t Alors, les signes que j'ai là, c'est les signes que j'ai définis pour une suite de temps Tn. Voilà.
Voilà, donc je sais en tout cas quand t égale tn que ceci tend vers 0, et ensuite il faut le démontrer pour tout temps. Alors, il est facile de voir, première étape, que les lambdagies, son lambdagie plus 1, tendent soit vers 0, soit vers plus infini. Alors, avec la définition que j'ai prise, tendent vers 0. En effet, si une solution voyait deux bulles, je saurais que ma nouvelle donnée initiale dans cette échelle-là ne serait pas un W, parce que ça serait la somme de deux bulles découplées. Donc ça, je sais automatiquement que c'est vrai. Maintenant, je sais, quand t est égal tn, j'ai le résultat, hein, ceci tend vers 0. Donc ça, c'est ce que je veux démontrer. Voilà. Donc je suppose que ceci n'est pas vrai. Donc il existe un temps tel que... alors, ceci n'est pas vrai. Donc je sais que c'est vrai en tn. Donc il va exister un temps tn prime tel que ceci ne tend pas vers 0, donc ça remonte jusqu'à un niveau delta, mais delta je le prends très petit. Alors maintenant je peux travailler en ce temps là, faire la décomposition en bulle et à nouveau voir que c'est impossible. Ben, je suppose que je n'ai pas convergence pour tout temps, et donc, si c'est pas vrai, il existe un tel que cette quantité-là était égale à delta petit, et quel que soit t, si on veut vraiment écrire les choses proprement, tn prime, ceci est inférieur à delta. Voilà. Donc en tn, ça tend vers 0. Cette quantité-là, toute cette quantité-là, cette norme, en tn prime, je suis voisin de 0, je remonte là. Maintenant, j'applique mon lemme de décomposition ici. Avec le fait que j'ai défini explicitement mes lambdagies avec ceci, je peux voir essentiellement que si je suis égal à delta, je dois être différent d'un W dans une des bulles. Si vous voulez, il n'y a pas d'autre choix, quoi. Sinon... juste pour simplifier les calculs, il faut toujours prendre delta petit, parce que là, c'est juste un théorème des fonctions implicites qu'on peut appliquer pour ça. Donc, si on disait delta grand, ça serait plus compliqué. Donc, c'est plus simple de toujours travailler au voisinage de cette variété qui est une somme de bulles découplées pour démontrer le résultat. Hein? Voilà. Je vous ai donné les principes de la démonstration, voilà, pour finir. Et donc, vous démontrez... Là, à la fin de la démonstration, il faut vraiment techniquement, faut vraiment définir votre lambda J de T définitivement. Voilà. Même si ça n'aurait pas forcément toujours un sens, mais avec ceci, vous pouvez toujours définir ça comme ça. Et ensuite, essentiellement, c'est toujours des petites variations. Il faut toujours prendre des deltas très petits pour faire des théorèmes. Voilà. Et ça lambda J de T, en fait, il correspond à ce qu'on pense quand la solution est proche de somme de profil. Voilà. Ça n'a pas beaucoup de sens, c'est ça? Alors, ma définition a toujours un sens, mais en effet, sinon, ça n'a aucun sens. Voilà. Par contre, si tu es proche de profil, ça donne bien le centre géométrique. C'est le centre géométrique à chaque fois, et donc ça permet de retomber sur ses pieds. C'est pour ça que je dis qu'on doit travailler toujours à delta très petit, sinon on n'arrive pas à... on n'a pas la structure. Mais comme formellement, on imagine qu'on est toujours proche et ça va, donc on arrive bien à retomber sur nos pieds. À la fin. Donc voilà, c'est un peu la fin de la démonstration. Je sais que là, je vous ai donné les principes très larges, mais vous voyez bien que à chaque fois, mon outil absolu, c'est mon théorème de channeling. Oui. Le lambda J de T dépend de quoi? Ah, alors, lambda J de T, il dépend de la solution à la fin. Non, mais la définition de lambda J de T, c'est... Ah, lambda J de T, c'est-à-dire qu'il prend une donnée initiale qui est égale à la somme de deux bulles découplées,
Ah oui. Ah, il faut fermer la parenthèse ici, mais... il y a eu l'âme là, en fait. Bah, si tu veux, je suppose que ma solution est une somme de deux bulles très découplées. Non, c'est le A et le lambda. A, oui. Alors attends, je reviens. C'est 1 sur lambda. A, c'est 1 sur lambda. Attends, je vais. Attends. Ah, il y a. Tu veux dire A égale lambda, c'est ça? Oui, probablement A égale lambda. Attends, j'essaie de voir. Oui. Non, A égale lambda. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur le point de la démonstration? Donc il y a un point où tu as isolé le VL, oui, linéaire. Il y a un point où tu sais que le premier profil c'est déjà W. Voilà. Et le deuxième, oui, ça c'est la partie vraiment difficile de la démonstration. Voilà, juste un point. Donc W, tu le remets à l'échelle 1. Ton premier profil, donc c'est le plus étalé. Oui, je... Bon. C'est le plus étalé, et tu le prends à l'échelle 1. D'accord? Voilà, bon, il faut... Après, le deuxième, c'est le principe de découplage entre les deux, j'ai pas compris. Oui, alors... voilà, c'est la partie un peu tortueuse de cette démonstration. Mais en effet, c'est la clé, hein, parce que si on ne sait pas comprendre, gérer l'interaction de deux profils, on peut démontrer qu'avec cette démonstration, que c'est W, mais on ne sait rien dire sur les autres. Alors, prenons un cas simple où la partie linéaire est égale 0, et donc j'ai un premier W très concentré, et, enfin, une solution, un profil U2, x sur lambda 2 de n, lambda 2 de n. Voilà. Maintenant, j'ai un autre W à échelle 1, dont je renormalise. Voilà. Donc, ceci ma donnée initiale. Alors, je vais couper voilà, ce profil, prenons-le par exemple, voilà, qui n'est pas égal à W, même pour r très grand. Donc, je vais le couper ici. Alors, donc, alors évidemment, ici, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que je suis toujours très proche de 0. Hein, donc, voilà, tout ça, j'ai coupé très proche de 0. Et donc, je regardais la solution ici. Pour que j'ai le temps de pousser mon énergie là, jusqu'à échelle, il faut que mon premier profil, c'est lambda 1 de t, donc il faut que je voyage à une vitesse lambda 1. Hein, ça. Voilà, ça, c'est bah, universel qui dépend de... Ah oui, celui-là, c'est 1. C'est 1. Voilà. Alors, attention. Ça ne marche pas si on n'avait pas démontré que W, c'est W. C'est-à-dire, c'est une solution stationnaire. Donc, ce que je vais prendre comme nouvelle donnée initiale, c'est celle-ci tronquée, qui est très petite, dans H1, et W, dont je peux appliquer... mon théorème de décomposition d'interaction entre profils avec norme de Stricard s'applique sur n'importe quelle échelle de temps t égale une grande constante lambda 1 de t. Enfin, donc, quand on a renormalisé ça, jusqu'à t égale a. Hein, parce que la norme de Stricard de cette fonction-là sur un temps a est de taille a, une constante, et celle-ci est petite. Hein. Donc c'est découplé, hein. En plus c'est découplé. Donc j'arrive à dire que la solution essentiellement ressemble à la somme de mes deux solutions juste à ce temps-là. Je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Mais c'est pas une stabilité en temps infini, c'est une stabilité en temps, oui, un temps universel. C'est un temps universel qui descend de mon premier profil. Et de la petitesse aussi La petite. Alors, donc là, j'arrive maintenant, j'ai poussé ceci, là. Et je peux le pousser aussi loin que je veux, là. Et maintenant, ma nouvelle donnée initiale en ce temps t, qui est maintenant grand A, si tu veux, c'est quoi? Ben, c'est la queue de mon W plus la solution linéaire. Alors, je la regarde toujours dans des cônes là, mais c'est bon. Et donc,
Ici, ben ça marche, hein. J'ai une solution très concentrée, norme de Stricarts petit, je peux appliquer mon théorème. Éventuellement, si vous voulez encore plus vous fixer, vous pouvez appliquer avec la solution linéarisée autour de W. Et donc j'arrive à channeler dans des échelles de temps au-delà de t égale ça. Parce que là, si on regardait juste le lemme d'interaction entre deux échelles, on ne peut pas aller plus loin que t égale A. Et donc on ne peut rien démontrer. Parce que nous, on est obligé d'aller à plus infini. On doit pousser des paquets d'énergie en plus infini. Et donc, on est obligé de faire ça, localisation, en deux temps. Là, on pousse, et là, à nouveau, on va utiliser un théorème global, à partir de là. Il y a un coupant à nouveau, par contre. Là, on coupe le gros soliton aussi. Là, on doit couper le gros soliton à nouveau. Donc, c'est vraiment deux trucs très différents. Oui, c'est... Et dans la première étape, tu ne veux pas couper le gros. Ah non, c'est impossible. Il faut le traverser et ça... Et qu'est-ce que tu utilises, le fait que W est solution exacte ou le fait que W est solution exacte et c'est une solution stationnaire, donc ça ne fait pas bouger. La catastrophe que je pourrais avoir, c'est ce que je vous ai expliqué, qui semble complètement anecdotique dans ce que je dis, mais qui est en fait une obstruction absolue, c'est que si mes profils pouvaient donner des solutions explosives, je ne pourrais pas dire ça. Mais en fait, là, mon W, c'est une solution stationnaire, telle que le lambda ne bouge pas, tout est sympathique, et tout se passe bien. Ça, tu peux avoir des explosions pour le troisième profil, mais tu ne vois pas du tout cette région-là. Oui, voilà, donc c'est un peu... Je suis obligé de travailler à chaque fois dans mes boîtes, et je dois les modifier... C'est des empilements de boîtes. Oui, parce que là, on n'a fait que sur deux, mais en fait, on peut en avoir 10, quoi. Bon, donc on est obligé d'itérer le processus. Alors oui, c'est exact. Donc ça permet, c'est la méga astuce qui permet de démontrer le fait que les profils ne sont pas W, au-delà du premier profil, c'est-à-dire tous les profils. De H que, voilà. Bon. D'autres questions? Alors je sais que ça ne correspond pas exactement à la façon dont on a écrit l'article, mais par contre, ça contient tous les cœurs de démonstration. Tout le reste est que de la technicité pour démontrer rigoureusement les choses, en fait. Mais les principes sont là.